impeccable, Boccolacci. On respecte à peu près l'ordre hiérarchique. Ouais, ça se bouscule un petit peu au milieu. Attention avec Vantaggia. Vantaggia, oh, contact avec Moinel, mais ça va, tout le monde reste sur la piste. Et première tentative d'attaque de Pussier. Ouais, et Louis Gervoso qui est en embuscade en troisième position. Oh, Pussier qui attaque. Ah, il sait que s'il laisse partir Boccolacci, c'est foutu. Hein. Oui, il le sait, Sylvain. Ah, il va passer peut-être ici à l'intérieur. Oh, attaque de Sylvain Pussier, Boccolacci un petit peu large. Non, ouh, c'était chaud. Dis donc. Oh là là. Louis Gervoso qui revient sur les deux fêlés qui sont en tête. Remarquable début de course. Ah oui, Boccolacci ne s'échappe pas du tout, bien au contraire. Ah oui, là, il a affaire à forte partie. Sylvain Pussier revigoré. Louis Gervoso qui est en son heure, peut-être. Attention, le droite. Il s'y passe tout le temps quelque chose. Et là, peut-être Gervoso. C'est peut-être Gervoso qui va en profiter à l'intérieur. Louis Gervoso bien placé. Non. Ouh là là. Mais l'attaque, nouvelle attaque de Gervoso avant la parabolique. À l'intérieur, il peut peut-être tenter de passer sur Sylvain Pussier. Elle est bien partie, cette finale. Elle est très bien partie. Superbe. Avec un trio qui se dégage. Ouais. Nouvelle attaque de Gervoso sur Pussier. Ouais, alors évidemment, l'attaque Gervoso-Pussier bénéficie à Boccolacci. Hein. Bien sûr. Louis Gervoso, grande forme, vraiment. Ah, il est plus rapide, là, il est plus rapide que Pussier. Oui, ça klaxonne. Ouais. Et Boccolacci, du coup, s'en va. Voilà, problème pour Pussier. Pussier qui a un problème, là. Et il va passer, ouais, problème pour Pussier. Voilà, c'est fait. Et tout le monde le double. Et Pussier qui se fait doubler. Ouais, la voiture n'avance plus là, il a réussi à se remettre dans la trajectoire, mais j'ai peur que ça n'aille pas au bout. Ouais, il va arrêter. Voilà, sportivement, il se gare sur le côté. Ben, coup de théâtre pour Sylvain Pussier. Ouais, alors que Louis Gervoso n'aura pas la possibilité de revenir. Non, parce que Boccolacci. Beaucoup trop loin maintenant. Ouais, beaucoup trop loin. Il a été bloqué trop longtemps, malheureusement, derrière Sylvain Pussier, contraint à s'arrêter. Et il va perdre le podium. Hein. Dommage, hein, ça partait bien ce match là. Ouais. Allez, il y a Moinel en bagarre avec Vantaggia qui revient un peu sur Daziano. Allez, Pussier en tête, largement. Boccolacci. Boccolacci, pardon. Ouais, Boccolacci. Deuxième, un excellent Louis Gervoso. Ah, Boccolacci qui a quand même le record du tour, hein. Incroyable. Mais il a bien failli se faire. Chipper la première place par un Pussier qui alors avait une voiture qui marchait très très bien. Attaque pour la troisième place. Ouais, c'est chaud entre Moinel et Daziano. Hein. Ouais. Bah, Moinel aime bien ce circuit. Hein. Moinel au grand cœur aime bien la ligne droite aux grandes sensations. Margot Laffitte qui essaye de remonter, qui a déjà doublé évidemment Philippe Bansard. Ah, il revient peut-être un peu là. Il y a 3 secondes, ça va être compliqué. Hein. Ah, mais il ne pourra pas le dépasser. Il ne pourra pas. Attaque de Margot Laffitte. Alors que Sylvain Pussier arrête, quel dommage. Aïe, quel dommage. Surtout qu'il était vraiment très bien. En transition, peut-être même de prendre la tête à un moment. Il était intelligent, il n'a pas voulu forcer non plus. Hop, Margot Laffitte qui a essayé de passer France là, mais Julien France n'a pas voulu. Non, pas toi. Attends, si Margot vient se frotter comme ça, je la laisse passer. Hein. Oui, bien sûr. Je te connais bien là. Boccolacci. Alors l'écart, il est. Gervoso revient un petit peu. Ça sera trop tard, dernier tour. Hein. Oh, c'est de la gestion de première place pour Boccolacci. Ouais, attention, un tête à queue, est-ce que ça serait pas Daziano? Ouais, c'est Daziano. Du coup, Moinel passe. Moinel troisième. Ah, bah, ça, c'est des points que. Il n'a pas volé, mais qui lui tombe des nues. Ah oui, tête à queue de Daziano et du coup il perd une place. Eh oui. Et encore c'est un tête à queue minima, ça aurait pu être bien pire. Et Boccolacci tranquille qui gère, voilà. Quatrième victoire en 4 courses. 4 sur 4 pour le jeune premier.
du GP2, l'antichambre de la Formule 1. Et voilà. Et c'est fait. Oh là là, incroyable. Et Louis Gerbozon qui reprend le record du tour. Ah, un petit point en plus. Très intelligent, il l'a fait dans le dernier tour. Daziano du coup père. Voilà la Daziano, attention à contact, il a avec Vantaggia. Ils sont accrochés tous les deux. Et c'est Vantaggia qui prend la quatrième place à Daziano. Il y a des lits, comme disait Torfich. Ah, c'était chaud. Une photo live là. Ah, oui. Belle finale, vous pouvez les applaudir, c'est magnifique.